tasse pour tout. Une tasse pour l'infusion, une tasse pour le thé, une tasse pour le café. Mais tu sais, tout ce côté rituel que j'aime, qui vient avec le thé ou qui vient avec le café, c'est comme... c'est pas simplement ce qu'on boit, mais tu sais, c'est plus à quel moment on le boit dans la journée. Cette ligne, cette expression célèbre italienne, la dolce far niente, qui est comme la douceur de l'oisiveté ou la douceur de ne rien faire ou tout ça. C'est pas quelque chose que j'ai naturellement. Et ça, je trouve que par les temps qui courent, de l'apprivoiser, cette dolce far niente ou la farniente, ou de rester un petit peu plus tranquille et moins productive, je pense que c'est quelque chose, en tout cas pour certains, qu'il faut apprivoiser. Mais une fois qu'on y a goûté, parce que là, je commence à y goûter ponctuellement aussi, à l'occasion, et c'est vraiment agréable. Et j'espère bien que ça va durer, puis je vais garder une partie de tout ça, même quand tout va reprendre à un autre rythme, tu sais. Faute de mieux, en fait, qu'est-ce que je pouvais apporter du Mont-Royal? Ramasser une brindille, ça se pouvait. L'importance d'avoir un espace vert, de pouvoir profiter d'un espace vert. Il me semble que à cette période-ci, à quel point c'est appréciable. Autant ça énergise, autant ça apaise. Et je pense que là, on a compris l'importance d'avoir ces espaces-là et d'avoir cette verdure-là autour. Mais bien sûr que le travail va reprendre, les horaires vont être changés. Oui, sûrement qu'on va avoir compris quelque chose et qu'on va avoir senti plus que compris, je pense. C'est ça l'affaire. Peut-être plus senti que compris, ça, c'est la bonne nouvelle. En fait, c'est pour un prétexte pour parler d'Italie. Grand-père vient de la région napolitaine, autour de Naples. Il était berger. Donc, il y avait une histoire, tu sais, sûrement très intéressante. Et donc, j'ai jamais vraiment communiqué avec mon grand-père. Ça me revient tout le temps, ça, quand j'apprends la langue, parce qu'il est décédé, j'étais très jeune. Mais c'est comme ça... Vraiment, je regrette, quelque part, de ne pas avoir... Je regrette, sincèrement, de ne pas avoir pu échanger avec lui. Et donc, pendant la pandémie, j'ai essayé d'améliorer mon italien un petit peu, sans avoir vraiment de discipline. Alors, le retour aux sources un peu, apprendre l'italien pour le plaisir et le bonheur, et aussi parce que c'est mon histoire, tu sais. Écoute, j'ai vraiment l'impression d'être... j'ai l'impression de reprendre un petit peu des... J'imagine des activités que tout le monde a à peu près fait, aller marcher, des livres... offrir un livre ou partager un livre avec quelqu'un, c'est un super cadeau. Parce que c'est un long moment. C'est un long moment que tu permets à cette personne-là. Et cette personne-là va aussi en parler. Je veux dire, c'est vraiment... Quand on parle du plaisir de la lecture, c'est ça. Là. C'est de s'évader dans une lecture et de cerner et de pouvoir cerner ce que l'autre va avoir envie de lire aussi. Mais le partage, c'est plus large que ça aussi. T'sais, c'est sûr que... Bon, j'ai pas parlé beaucoup de la cuisine, mais de recevoir un livre, de recevoir quelque chose que l'autre a cuisiné, fait ce partage-là aussi est super... Écoute, les deux combinés, c'est la totale. C'est pas un billet d'avion! Du pain! C'est tellement ça! Écoute, c'est une fixation. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que les artisans font bien les choses. Tu sais, je trouve que c'est fantastique. Tout ce qu'on trouve ici maintenant comme bon pain. Là, avec du bon beurre, c'est comme on peut trouver des bons beurres. Et là, ça fait toute une différence. On n'en finit plus d'en mettre. Surtout quand tu fais tes toasts, écoute, là, c'est comme du bon beurre, une bonne croûte, bonheur. Ouais, ça me fait plaisir. Thank you.